Time is running. Good luck. Good luck. Let's go. Let's go. We can go. Can we turn on the light? Yeah, turn the light on. Alors là, du coup, on est dans une pièce où on a fait un escape game. C'était notre projet de langue depuis le début de l'année. On a dû trouver un scénario et tout ça en anglais. On avait aussi une partie en espagnol pour ceux qui font espagnol et en allemand pour ceux qui font allemand. On a dû introduire des énigmes de mathématiques, par exemple, de physique, de sciences de l'ingénieur pour le côté un peu scientifique. Mais les enseignants en ont profité rapidement pour pouvoir enrichir donc toute la partie vocabulaire qui va être nécessaire pour l'escape game. Je pense par exemple à tout ce qui est vocabulaire de la négociation. Là, ils en ont besoin. Donc du coup, obligatoirement, ils étaient demandeurs de ce vocabulaire. Quand on est demandeur de quelque chose, on l'apprend naturellement. This group here has you're starting to play. Yeah. So which group you start to play here? So the other escape game should be the German and Spanish group here. Because you have to escape the room and find the bomb to save London and your wife. Je pense que faut direct se mettre dans la tête par l'anglais. La cohésion de groupe en anglais, c'est marrant. Ça change en fait que de parler français. On va plutôt utiliser l'anglais comme un outil. Plutôt qu'une fin en soi. Pour le coup, nous, on a fait un échec, on a eu du mal à faire les premières étapes. Ouais, on n'a pas réussi à trouver toutes les solutions des énigmes, et du coup, elle a explosé, mais je suis encore vivante. Donc, Ça correspond bien au parcours, résoudre des problèmes dans un temps limité. C'est le principe du parcours un peu, ouais. Ils ont trouvé la clé, ils essayent d'ouvrir une valise à code avec.